Bonjour à tous, donc nouvelle vidéo aujourd'hui sur le deuxième colis donc, que j'ai reçu de Yahoo. Bonjour Juju. Bonjour Bob l'éponge 777. 777. Voilà, donc on a ouvert le premier colis donc avec un peu de Rami, une jumbo sympathique, de la bromide et des platina. Et donc là, donc on va ouvrir tout de suite le deuxième colis que j'ai reçu. Donc je l'ouvre mal. Ça va bien. Voilà. Où là, en fait, on va avoir beaucoup d'héros collection. Un trié. Non, mais je sais pas pourquoi ma table, elle tient plus depuis, je sais pas ce que... Rien à de la carte. Hein. Alors. Bon, voilà déjà un colis plutôt. Attends, regarde là, t'as une sorte de mini livre. Ouais, j'ai un mini. T'as un mini manga. C'est pas mal. C'est cool les mini mangas. Avec un V à l'envers, enfin, je sais pas. C'est un symbole Illuminati, je sais pas trop. Non, c'est juste que tu le tiens à l'envers. Oh la honte. Oh la honte, putain, comment se troller soi-même dans les vidéos. Je vais ouvrir ça proprement. Ouais, nique pas. Hein. Ouais. Tiens, on va ouvrir. Parce que moi, je me connais, à chaque fois que j'ouvre un calculateur, je nique les cartes. Ah ouais? Ouais. On va ouvrir comme ça. Il protège bien nos pins, mais je t'avoue, je pense pas. Quoique, on aurait pu apprendre ça avec un ciseau, quoi. Tout ce sens-là. Je t'avoue, le lot est énorme. Celui-là m'a coûté ultra cher, je le cache pas, il m'a coûté plus de 100 euros. Il m'a coûté, alors aujourd'hui non, pas 100 euros parce que le yen a bien baissé, mais il m'a coûté 10 500 yens. Donc je me suis battu entre guillemets avec un type qui voulait pas lâcher l'affaire non plus. Et tout ça juste pour quelques règles et tout ça, bah tu sais, faut bien faire marcher le site, hein, Juju. Hein. Ouais, non, mais si tu verrais ce qu'il y avait dedans, notamment les. Regarde, notamment attends. Les cartes sleevées là. Oh là là. Regarde-moi ça. Les dos idoles dégueulasses. Ah, mais offre ça à Seb, il kiffe les dessus. Je sais pas s'il fait les views. Non, il fait pas. Il y a ça, et puis j'en ai même une deuxième, regarde. Qui est un peu moins dégueulasse, mais voilà. C'est un mini bloc-notes, d'accord. Mini bloc-notes. Ça, tu sens que c'est les cartes dans des box en fait, dans les box 100 yens, regarde. Ouais, c'est des héros collection, il n'y a pas de box. On dirait les trucs qui ont été avec ouais, des. Juste, elles ont pris l'immunité, je pense. Donc ça, voilà. Bon, le mec a fait tout ça aussi proprement, puisqu'il m'a slivé toutes les prismes. Donc voilà. Oh putain, ouais, tu l'as celle-là? Non, celle-là je l'ai pas, celle-là non plus. Enfin, regarde. Tu les avais vues dans le lot ou pas? Ouais, bien sûr, je les ai vues. C'est aussi un peu pour ça que je les ai prises. C'est des. Voilà, bon, j'ai pas mal de prismes en collection. Ça, c'est les effets prises. Enfin, c'est les effets ligne. Non, pixel. Pixel, pardon, excuse-moi. Ouais. Donc, du coup, ça a bien complété le site. Et puis, je pense à pourquoi aussi. Voilà, pourquoi on s'est battu sur ce lot-là, c'est ça en fait. Ah ouais, bien sûr. Voilà, qu'est-ce que c'est? Donc là, il y a deux fois la même. Donc en gros, c'est les dessous des WGL. Des Wiggle. Non. Allez, dis les Wiggle. Des WGL. Attends, et donc c'est les dessous, ça? Ouais, c'est les dessous, ça. Regarde, parce qu'en fait, les dessous, il y a les numéros dessus. Ah ouais, c'est vrai. Donc, toi, t'en as combien des complètes? T'en as 3? J'en ai 3 sur 4 des complètes. Ah. Et donc du coup, bah, là, j'ai 3 sur 4 dessous. Donc je sais, il aurait pas pu avoir toutes celles qui te manquent. Ça va bien me compléter, ben non, malheureusement. Et donc là, j'ai pas mal de prismes. Héros collection part 1 et là j'en ai pas mal de part 2, donc je pense que là j'aurai un prisme 7 part 2 et encore de la platina, voilà, donc dans un état plus ou moins, on va dire, plus ou moins propre selon les cartes. Tu sens que celle-là, elle est un petit peu plus abîmée que les autres, notamment là ou là ici,
T'en as qui sont plutôt de bonne qualité, plutôt bien. Tu vois, celle-là, elle est vraiment dégueulasse. Regarde ici, là. La belle rayure, la belle pliure. Là aussi. Voilà. Donc, j'avais chopé des platinas sur la précédente vidéo. Là, du coup, j'ai un deuxième lot. Et en fait, sur le site, il en manquera une. Voilà, sur les 28, il va manquer une. Triste. Triste ou content, ça dépend. Et donc là, donc du coup, j'ai pas mal de règles, donc va falloir qu'on trie ça. Il y a essentiellement de la cardasse, de l'aéro, de la PP et de la SB. Voilà, donc gros lot. Ok. Fallait pas oublier, putain. Tu sais que j'ai toujours pas chopé hein, les autres hein, sur Yahoo. Mais pourquoi l'enchère est pas finie depuis 3 mois? Le mec arrête pas de la remettre. Alors ça, en fait, qu'est-ce que c'est? Attends, on va les mettre bien proprement là. Ah voilà, maintenant on comprend pourquoi l'eau valait 118 euros. Alors qu'est-ce que c'est? C'est en fait, on pense que c'est des Morinaga. Ah, on pense pas, c'est écrit derrière. Effectivement, c'est comme le port salut, c'est écrit dessus, il y a un Morinaga ici, là, voilà. Donc les cartes sont vraiment pas les mêmes que les Morinaga classiques qu'on connaît DB, parce qu'en fait... Ils sont pour décrire aux gens, ils sont en plastique très fin, ouais, très fin et pas lisse. Comme on dit, tu sais, vu qu'elles sont pas lisses comme des cartes normales, elles sont un peu rugueuses. Ouais, un peu plus rugueuses, mais ouais. Elles sont vraiment, ouais, c'est vraiment pas commun comme carte. Hein. Ah non, celles-là, elles sont lisses, elles sont pas comme. Ah, je croyais qu'elles étaient comme mes, tu sais, celles que j'ai avec les animaux, non, je sais non, plus quoi, non, dinosaures. Non, c'est pour ça. Ah ouais, parce que non, ok, d'accord, si elles sont lisses. Celles que j'ai avec les dinosaures, elles sont un peu plus. On voit bien les reflets, donc on voit bien que c'est lisse en fait sur la carte. Et en plus, attends, regarde le code barre. Est-ce que les codes barres sont les mêmes? Non, c'est pas les mêmes. Donc en plus, tu pouvais jouer avec une barcode machine. Exactement. Et ça, c'est cool. Voilà. Donc là, il y a un petit numéro ici. Donc moi, j'ai la 17. J'ai la 17 et j'ai la 2. Alors, je sais pas s'il y en a d'autres dans le lot. On va regarder ça tout de suite. Il y a vraiment beaucoup de règles. Hein. Ouais, regarde, hein, tu peux peut-être tomber sur des trucs, des hidden pas décollés. Carrément. Ouais. Et peut-être aussi tomber sur les cartes que je n'avais pas, en part 2. Ouais. Non, là, dessus, il n'y a rien, là, sur celle-ci. Sur celle-ci, je viens de faire le tri tout à l'heure, donc il n'y a rien non plus. Et sur celle-là... Ah, une checklist. Ah, vas-y, mets-la de côté. Tu l'as ou pas? Ouais, t'as le full? Celle-là. Ouais, j'ai le full, je sais pas. J'en ai 9, je suppose qu'il y en a 9. Celle-là, c'est la numéro 6, donc oui, je l'ai. Et tiens, il y en a encore une là. Vas-y, mets-la avec. La 2. Hop. Et il y a aussi de la story collection en carte, hein, donc voilà. Tu sens que c'est un mec qui avait ça dans son classeur et qui a dit, allez hop, je vends tout. Ah, encore une. C'est con, il aurait pu te vendre le classeur avec. Tiens, une troisième. Hop. Attends, c'est... Oh, une quatrième. Ah, bah, celle-là. Ah, voilà. Attends. Celle-là. Regarde, touche. C'est la sensation que je vais te dire. Tu vois? Derrière, elle est pas lisse pareil. C'est pas rugueux, mais c'est... C'est la même collection. Ouais, ouais, c'est ça, mais c'est... comme ça, je les voyais, genre... truc que tu peux pas expliquer, mais... Putain, bah, il faut cool, le toucher pour comprendre un peu le truc, quoi. Ah, mais elles sont différentes. Regarde, il y a pas le code barre. Ouais, mais regarde le numéro. Ouais, mais mais c'est peut-être une autre série, on sait pas. Tiens, ah, merde, tu l'as en double. Ah, c'est con. Hop. Ouais, je sais pas. Non, je pense que c'est une autre série, hein, parce que sinon il y aurait le code barre aussi. Tiens, là j'ai une. Par contre, elle est vraiment en mauvais état, celle-ci, c'est dommage. Oh putain, c'est quoi? Je sais pas, j'ai une carte bleue qui n'a rien à voir avec Yu Yu Hakusho. Oh, c'est Ninku. Avec un mec en calbut. Ninku. Ouais, je sais pas ce que c'est. C'est du Amada 1995. Je crois que ça va être la nouvelle série de vie. Tiens, encore une. Ninku. C'est la 3e fois que j'ai la numéro 2, j'ai l'impression. Ah, c'est la 3e fois. Non, c'est la 3e fois. Ouais, ouais, bah, j'ai envie de te dire. Pas mal de cartes. Belle. Ouais, là, va falloir trier, là. Va falloir vraiment falloir trier. Et le dernier lot, c'est celui-ci. Ah ouais, ouais. C'est celui-là. Vas-y. Allez. Tu sens, enfin, elles sont vraiment abîmées. Que tu tombes sur des trucs de ouf. Tiens, encore sur des trucs de ouf. Oh putain, c'est cool. Ah merde, putain, mais c'est que des doubles. Putain, il était con le mec qui te l'a vendu. Quoi. Ouais, là. Encore une, tiens. Ah bah. Par contre, elle est vraiment abîmée, celle-là. Ouais, on s'en fout, ça se scanne.
ça se scanne. Non, et puis juste elle est un peu. Tu la mets dans, sous un dictionnaire et puis ça passe. Quoi. Ouais. Bon, bah voilà. On arrive sur la fin. Oh, ah, putain, d'accord. T'as deux cartes collées. Vas-y, arrache. Non, attends. Ouais, d'accord, ok. Sorte de morph bizarre sur la carte. Morph japonais. Juju, ouais. Tu me nettoieras ça tout à l'heure, merci. Ouais, bien sûr. Vas-y, continue. Et tiens, oh, la numéro 4, super. Ah, tiens, encore. Oh là là. Tiens. Putain. Et celle-là, c'est, bah, tiens, c'est quoi ça? C'est une mini. Ah, mais tu l'as. Ouais, on s'en fout. C'est une mini mon presto. Attends, ça se trouve, c'est une prisme. Bon, regarde le numéro. Non, c'est une règle. Non, bah voilà. Ouais, mais c'est pas mal quand voilà, même. On a quelques. Bah tiens, vas-y, Des Morinaga, vas-y. On va faire un petit. Un petit récap de ce qu'on a. Morinaga. Plutôt les devants, non? Attends, les druides sont plus cool, il y a des codes barres. Vas-y. Voilà. Et les devants Les devants, moi, me font penser beaucoup. Ouais, ils sont plus simples, les devants. En fait, au bon presto part 1. Donc les Yu Galari, entre guillemets. Toutes simples. Vous pourrez aussi retrouver sur le site. Bien sûr. Et la Niku, on la mettra sur le site ou pas? Non, sûrement pas. Non, tu peux la garder d'ailleurs. Et le petit livret? C'est pas des cartes, on va dire, c'est un petit truc sympa. Ah, ça sera. Je suis sûr, ça, tu mets dans ton classeur, ça passe. Hein. Ok. Donc voilà, donc là je, sur le lot, il y avait à peu près 500 cartes. Voilà. Bon. Bon, bah. Juju, merci pour la vidéo. Et puis, à très vite pour des nouvelles aventures. Encore de la mort. Ça, c'est même pas de la mort, on dirait, c'est du truc d'oiseau bizarre. Vraiment. Donc, la prochaine vidéo, dans pas très longtemps, là, parce qu'il y a encore quelques ramis qui vont arriver d'ici quelques semaines. Voilà. Ok, bah, bonne soirée les gens, salut. À plus. Oh,